Bonsoir les amis, bienvenue. Mercredi soir, soirée du live. LND, les 9 dimensions, c'est Xavier. Ce soir, on va parler du masque. J'attends que tout le monde se connecte. On se donne 10 minutes et on commence. Ok? Et en attendant, on partage. Allez, c'est parti. Salut Coco, salut Dominique, vous êtes déjà nombreux, c'est cool. C'est cool. Bon, j'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas à me dire, à commenter. Salut tout le monde, salut Lina, salut Steph, bienvenue. On commence dans 7 minutes. Ah, j'aurais dû mettre mon masque, ouais. Pas bête.
Allez, on commence dans 4 minutes. Est-ce que vous avez révisé? Est-ce que vous avez préparé le live ce soir? Salut Véro! Je vois qu'il y a quasiment tous les habitués là. Allez, on commence dans 2 minutes. Allez, je coupe le son et c'est parti. Eh bien, bienvenue à tous. Merci de me rejoindre pour ce live du mercredi soir. Donc, Xavier du blog Les 9 Dimensions. Et comme tous les mercredis soirs, en ce moment, on fait un live et on parcourt ou on reparcourt toutes les flammes du jeu du phénix et du code Matkaliné avec leur sens. Et ce soir, on va parler du masque. Donc, flamme numéro 6. Donc, c'est le 6e live, évidemment. Sur cette série, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous avez préparé ce live et que vous allez m'aider à décortiquer cette flamme qui est le masque. D'accord ? Donc on va procéder comme d'habitude. On va redonner un petit peu les caractéristiques principales de cette flamme. Ensuite, on va décrypter un petit peu toutes les images, tous les symboles qu'on peut retrouver sur l'image. Ensuite, on verra toutes les interactions qui a ce sens, le sens du masque au niveau du code Matkaliné, d'accord, les boosts, les répondantes, etc. On essaiera de donner du coup un sens final à cette flamme, et ensuite on finira par un profil, on fera un tirage sur cette flamme, donc je la positionnerai en énergie,
Je ferai un tirage, on fera un profil et on encensera tous ensemble le masque pour alimenter un petit peu toute notre réflexion autour de cette flamme. Ok les amis, tout le monde est ok, tout le monde est prêt. Alors on est parti, n'hésitez pas évidemment à commenter, à alimenter la réflexion. Et dites-moi déjà comment vous appréhendez cette flamme. Comment elle vous parle? Est-ce que c'était une flamme qui, quand vous avez débuté, a été facile à appréhender? Je crois que c'est pas l'une des plus difficiles, en tout cas pour moi, mais il y en a toujours des flammes qui sont difficiles à appréhender, et souvent, finalement, c'est celle qui nous parle le plus. Donc allez-y, moi je commence, description donc, de la flamme, donc flamme numéro 6, j'espère que vous voyez bien. J'ai l'impression que c'est un peu sombre. Dites-moi si vous me voyez bien. Ouais, non, ça a l'air d'aller. Donc, on est sur une flamme franche. D'accord? Le chiffre est positif. On est sur une flamme choc. On est en dessous du 13. D'accord? Pour une flamme franche, donc on est choc. Je rappelle les bases. Et on est sur une flamme plutôt réceptive, parce qu'on est sur un chiffre pair. Donc, une flamme plutôt yin. Que nous dit... le jeu que nous dit l'Emmanuel sur le sens de cette flamme, donc ça nous parle de duplicité, ça nous parle de bluff, ça nous parle de tromperie, ça nous parle de dissimulation, tout simplement, porter un masque. C'est assez simple à comprendre. Alors, j'attends vos commentaires, n'hésitez pas. Pendant ce temps-là, on va commencer à décrypter du coup l'image qu'il y a sur cette flamme. J'espère que vous l'avez tous devant vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette image? Eh bien, déjà, on a le masque, hein, élément principal de la flamme. Masque rouge, avec des yeux... Alors, on a deux visages un petit peu qui se superposent, d'accord? Qui se rejoint au milieu avec un œil un petit peu commun aux deux visages. Pour autant, les trois yeux sont différents. On devine trois yeux, deux nez, deux bouches. D'accord. Et donc ce masque qui forme une tête un peu bizarroïde. Donc on a un masque qui... Qu'est-ce que ça peut représenter? Donc qui dissimule, hein, forcément. Là, pour le coup, on n'a pas l'impression que quelqu'un qui porte ce masque, on voit la personne derrière, on ne voit même pas ses yeux, on ne voit pas sa bouche. Donc on ne voit pas du tout ce qu'il y a derrière ce masque. Donc c'est un masque qui dissimule, qui cache, un masque aux multiples visages, d'accord? Un masque qui peut avoir différentes expressions, ou en tout cas qui a une expression qui va être différente de la personne qui porte ce masque. Alors n'hésitez pas à commenter, à me dire comment vous parle ce masque au niveau de la couleur, au niveau du rouge, au niveau des yeux qui sont tous différents, au niveau des bouches, des dents, l'expression de ce masque, d'accord ? On est encore sur un masque avec un personnage où on ne pourrait pas trop déterminer si c'est un homme, une femme. Difficile à identifier le sexe hein, du visage ou des visages qui sont représentés. Masque assez conséquent quand même. Hein, quelque chose qui, quand on regarde la taille du masque par rapport au personnage qu'on devine dans le miroir, avec le recul, mais... si on regarde par rapport aux têtes réduites qui sont en dessous, le masque a... Bonsoir Françoise. Le masque a l'air conséquent quand même. Donc c'est un masque qui vraiment englobe, qui cache bien, qui cache un jeu, avec lequel on peut cacher son jeu, d'accord? Donc j'ai l'impression que le masque est vraiment opaque. Hein. Il n'y a même pas de trou au niveau des yeux, au niveau de la bouche, où on pourrait deviner la personne qu'il y a derrière. Là, c'est vraiment un masque opaque, on ne voit pas du tout ce qu'il y a derrière. Françoise qui nous dit, ça peut être de la pudeur. De toute façon, le masque, par définition, on peut y cacher n'importe quoi derrière. Vraiment, l'objectif, c'est de cacher. Donc, on pourrait cacher une joie, on pourrait cacher une peine. Je pense qu'on pourrait cacher à la fois du choc et du charme. Et le fait que ça soit choc, en fait,
Donc on est sur une flamme père, hein, donc une flamme où on subit, d'accord? On est en réaction par rapport au monde, par rapport à des actions du monde qui agissent sur nous. Donc on est dans la réaction et on décide de porter ce masque. Et on subit, donc flamme choc, on subit de porter ce masque. Ça ne nous fait pas plaisir finalement. On est obligé de le faire, mais on cache, et on cache toutes sortes d'émotions. Dans la vie de tous les jours, on peut cacher autant des joies que... On peut cacher une joie, on ne veut pas montrer sa joie à quelqu'un d'autre qui lui peut être en peine et on ne veut pas afficher notre joie. On peut cacher des tristesses, hein, on peut cacher des dépressions. Hein. J'ai déjà vu des gens qui étaient dépressifs et qui voulaient pas le montrer et du coup qui donnaient le change. Donc je pense que derrière le masque, il peut y avoir autant de choc que de charme. L'objectif, c'est vraiment de cacher et de donner, de tromper, de fausser l'image. Alors, je prends vos commentaires, ça y est, vous êtes parti. Stéphanie, plusieurs bouches, donc plusieurs sons de cloche dans les paroles. Pas mal, pas mal. Effectivement, il y a plusieurs bouches, donc on peut deviner. À chaque fois, on essaie d'interpréter, hein, les bouches. Hein. La dernière fois, on avait le tigre. On avait le tigre, donc on sentait la férocité qui sortait de la bouche, hein, donc l'agressivité verbale. D'accord? Dans le tigre, il n'y avait pas que l'agressivité physique. Du tigre, il y avait aussi du coup le verbal qui sortait de sa bouche, d'accord? Et donc là, effectivement, on a ce masque qui a deux bouches et donc qui peut donner deux sons de cloche qui représentent bien un petit peu le bluff, la tromperie et peut-être en fonction des interlocuteurs aussi de pouvoir s'adapter. Coco, elle, c'est les sourcils qui l'intriguent. Effectivement, alors les sourcils, si on pense que c'est les coups de crayon noir sur le dessin, donc il y a celui qui est au-dessus de l'œil du milieu, hein, qui a le sourcil très haut. Et effectivement, alors j'ai jamais essayé de regarder si on cachait, mettez votre doigt sur un côté d'un visage ou d'un autre, et ça donne une meilleure idée de ce que pourrait être le visage en fait. La politique avancée masquée. Effectivement, bah on est dans la politique. Alors je ne sais pas si tu parles de politique en général avec les politiciens ou dans la politique du masque. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais on est dans la logique de tourment. Pardon, on est dans la politique de tourment et dans la logique du mensonge. D'accord? Donc tourment, on est bien dans une politique où on subit et où ça nous fait mal en fait de devoir porter le masque. Et on est dans la logique de mensonge, donc c'est ça, hein, ne pas le bluff, la tromperie. On est vraiment, enfin c'est vraiment la flamme qui définit un petit peu la logique. Qu'est-ce qu'on a d'autre en commentaire? Ne voir que d'un œil, celui du milieu. Alors c'est pareil. Est-ce qu'il y a, on parlait de plusieurs bouches avec plusieurs sons de cloche. Est-ce qu'il y a plusieurs regards, plusieurs avis, plusieurs regards? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Celui qui est en bas à droite vomit, on dirait, car les mensonges sont à vomir. Alors là, tu parles de la tête réduite. Donc effectivement, à ce masque principal, hein, qui est central au niveau de la flamme, on a plein d'éléments. Donc on imagine que le masque est accroché dans un musée. C'est pas le musée des horreurs, mais un espèce de truc un peu bizarre, avec plein de curiosité, c'est ça, un laboratoire des curiosités. Il y a tout plein de trucs et il y a des choses qui sont accrochées à ce masque, dont notamment une tête réduite qui, on a l'impression, vomit effectivement. En tout cas, qui a une langue qui pend. C'est assez bizarre. Assez bizarre. On a aussi un portrait de profil d'une tête blonde. Qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis? Essayez de définir un petit peu qu'est-ce qui entoure ce masque. Donc on a des anneaux qui sont accrochés par lesquels on accroche les éléments qui sont en dessous. Donc est-ce que ça peut être vu comme des piercings? Est-ce que c'est pas des ornements qu'on mettrait comme si comme des tatouages qu'on mettrait sur la peau pour donner une image ou faire croire
comment dire, essayer de donner une image à d'autres gens. D'accord? Souvent, les personnes qui se mettent des tatouages, forcément, ils incrustent des symboles sur leur peau, mais quelqu'un qui est tatoué, tout de suite, il renvoie une autre image qu'une personne qui n'est pas tatouée. Et c'est un peu pareil pour les piercings. Est-ce qu'on considère que les éléments qui sont accrochés au masque sont faits via des piercings? Quels sont votre avis? Un cabinet de curiosité, c'est exactement ça, Anne. C'était le mot que je cherchais tout à l'heure, merci. Le camé pendu au masque m'intrigue. Je ne sais pas quoi en penser. Est-ce que c'est le souvenir de ce qu'on a été? Est-ce que c'est pas le Est-ce qu'on n'a pas accroché en bas du masque le souvenir de ce qu'on a été? C'est-à-dire la personne qui était avant derrière le masque, qui était le vrai visage, et qui depuis des années en fait joue un rôle, est un autre personnage, et finalement l'être d'avant est devenu un souvenir. Est-ce que ça serait pas ça? Alors ensuite, il y a plein d'insectes, plein de curiosités. Donc, est-ce que c'est pas des moyens aussi, des fois, de nous divertir? J'ai pensé à ça. D'accord? Un petit peu comme font les magiciens quand ils veulent bluffer le public. Ils attirent l'attention sur d'autres choses. Et le fait d'avoir toutes ces curiosités, et d'ailleurs, on parle de curiosité, donc forcément, ça attire l'œil et ça nous pose question. Et pendant qu'on regarde en fait ces insectes-là, finalement on ne regarde pas le masque. Donc est-ce que c'est pas un moyen de nous divertir, de nous tromper? Et est-ce que les différents insectes qui sont cloutés, est-ce qu'ils ont une signification particulière? Ok, on a toujours un masque avec des espèces d'ailes au-dessus des ailes de libellule, ou on a un autre petit masque au-dessus, on a un oiseau qui est clouté. On a un tatou aussi. Tatou qui paraît qui se protège via sa carapace, le tatou. Et donc le masque est aussi utilisé comme un système de protection. On se cache derrière le masque pour se protéger. Donc si on se protège, il y a aussi l'effet de se protéger d'une agression, de se protéger de quelque chose. C'est là où on voit qu'on subit en fait. La partie du masque de droite a des yeux qui regardent vers la gauche. Lina qui nous dit la partie droite du masque regarde vers la gauche. Alors on a une théorie, je ne sais pas si elle est vraie, je ne sais pas si quelqu'un pourra nous la confirmer, mais les personnages qui regardent sur la gauche, dans le jeu en tout cas, on se dit que quand on le pose sur le monde, du coup ils regardent vers le passé, et ceux qui regardent vers la droite, c'était le cas pour l'ancêtre par exemple, l'ancêtre est tourné vers la gauche, donc il regarde vers le passé, et quand on le pose sur le monde, comparé à l'enfant qui, lui, a le regard tourné vers la droite et du coup qui regarde vers le futur. Et on voit du coup l'évolution du personnage. Là, on a un personnage qui est assez centré quand même. Personnellement, j'ai pas l'impression qu'il regarde sur la droite, mais ce n'est que mon avis. Après, chacun y voit aussi ce qu'il veut. C'est ça qui est intéressant. Donc Vincent qui a posté le lien, merci Vincent, vers le site officiel des Jeux du Phénix sur l'article du masque. Dominique qui nous dit tatouage, maquillage, bijoux, tous les atouts en fait, ce sont des accessoires. Et pourquoi est-ce qu'on porte ces accessoires du coup? Un petit peu comme le maquillage aussi. Maquillage, tu en avais parlé, Dominique. Ouais. Donc tatouage, maquillage, bijoux. Donc une façon de orner, de tromper, d'accord? Maquillage, c'est essayer de se rendre plus belle, hein. On sait comment vous fonctionnez, les filles. Mettre des bijoux aussi lors d'une cérémonie pour paraître. Des fois, on met des faux bijoux aussi pour tromper un petit peu sur sa classe sociale, sur le milieu d'où l'on vient. Donc, on peut se dire qu'il n'y a pas que le fait de porter le masque, mais aussi tous les ornements qui est autour.
Attendez, j'essaie de reprendre le fil. Dissimule la tromperie, ouais. Le portrait de Dorian Gray, la fuite impossible. Ah, je ne connais pas. Non, je pourrais pas commenter, Françoise. Le portrait, si c'est vraiment Dorian Gray. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le Covid en bas à droite. Alors, je pense que Stéphanie, tu parles de ça, effectivement. Est-ce que c'était prémonitoire? Ça me fait penser à l'élixir où il y a des personnages qui sont masqués aussi. Enfin, il y a un personnage où. Et il porte très mal son masque. Alors, attendez, j'essaie de le retrouver. C'est toujours bien de faire du lien. En plus, 6 plus 10, ça fait 12. Donc là, on a le chimiste qui porte son masque en dessous du nez. C'est pas bien. Et donc là, on aurait la Covid qui serait en bas à droite. Et du coup, qu'est-ce qu'on aurait en bas à gauche? Puisqu'on parle de ces deux espèces de globes, un à gauche, un à droite, surmonté avec à chaque fois un cerceau. Peut-être pour le supporter, pour le tenir. On a l'impression que c'est plutôt un globe ou un astro, une espèce d'astrolabe ou un globe en bas à gauche. Le masque et le Covid. Ouais. Ensuite, on a des personnages dans un miroir. Alors, tout est sujet à interprétation. Au début, je pensais que c'était une ouverture de porte et que les personnages étaient derrière, dans une pièce derrière. Et puis, avec le temps, j'ai réfléchi et je me dis que c'est peut-être un miroir en fait et que c'est un reflet. Et là, ça parle bien, le reflet qu'on peut avoir face au miroir. Ça veut dire que quelque part, le masque, eh ben, il reflète que ce qu'il veut bien nous montrer, quoi. Donc là, on voit simplement une partie du miroir, une partie de la scène. On voit deux personnages dans le fond. Alors, est-ce que c'est des visiteurs de cette espèce de musée? Est-ce que c'est le conservatoire? Qu'est-ce que vous en pensez? Tac, 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 je reprends vos commentaires. Donc on était sur le Covid. Tenter de rendre charmant en apparence l'attitude choc. Je pense qu'il y a les deux, hein. Il y a les deux. C'est le fait de porter le masque est choc. Après, on essaie de renvoyer ce qu'on renvoie, hein, quand les politiciens font dans le mensonge et qu'ils portent un masque. Ils essaient de nous vendre du rêve, ils sont pas chocs du tout. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup politique, cette logique-là et cette flamme-là. Alors, qu'est-ce que vous mettez, Stéphanie? Je crois qu'en PNL, quand on regarde en haut à gauche, c'est que la personne ment, si je ne me trompe pas. Effectivement, j'avais vu ça dans un épisode du Mentaliste. Suivant où part le regard, à gauche ou à droite, on active une partie de son cerveau. Et soit on va chercher dans les souvenirs, soit on invente une histoire. Mais pareil, je me rappelle plus quel côté est utilisé. Décoder le tarot horizontalement, la partie gauche de l'image. Traditionnellement, la partie gauche fait référence au passé. Ouais. C'est ça. Voilà, trop de commentaires, trop, trop, trop de commentaires. On ira après ça. Coco, pour moi c'est un miroir, pour moi aussi, je valide. A priori, ça ne pourrait pas être un miroir, sinon on verrait le sol rouge se refléter dans le miroir. Effectivement, ça laisse le doute du coup. On va être obligé de voter, hein. Ah, il y a quand même cet encadrement de porte qui va jusqu'en bas. Hein. C'est très intéressant hein, parce que pour moi c'est un miroir, parce que si vous suivez l'encadrement, il repart bien en bas. Mais du coup, effectivement, il ne reflète pas le tapis rouge qui serait devant. Ou en tout cas le parquet ou le sol rouge. Donc ça veut bien dire que l'image qui est redonnée par le miroir est trompeuse. On dirait une boutique là où il y a les bonhommes, mais vendent quoi du rêve?
sais pas ce qu'ils vendent en tout cas. Je sais pas ce qu'ils vendent. Ok, est-ce que vous avez d'autres éléments à expliquer? Alors, on a des espèces de, on a des insectes, hein, des scarabées, des limaces, des papillons. On a un petit peu aussi toute l'évolution, hein, de la. On passe de la limace au papillon, on a une étoile. Alors sous le globe, on a une pieuvre ou un poulpe. On a un petit os, on a une espèce de parchemin. Donc comment tout ça peut alimenter votre réflexion sur le masque. Toujours pareil, hein, quand on regarde ça, on ne regarde pas le masque, hein, finalement. Donc le masque serait dans une réserve. Ouais, je suis pas forcément pour. Je pense pas qu'on accrocherait dans une réserve des éléments, on les rangerait dans une caisse, mais à partir du moment où on les accroche au mur, je pense que c'est pour les montrer et les afficher. C'est étonnant la perspective de cette fleur quand même. Parce que finalement, on se dit que tout le masque et tous les insectes sont cloués au mur. Et finalement, la partie de devant, on a plutôt l'impression que c'est sur une table. Et pas posé au sol. Donc ouais, la perspective est étrange. Ok, alors si. Vous en avez fini avec les symboles, mais n'hésitez pas à continuer à commenter. Moi, je vais passer sur les interactions, donc comment la flamme s'inscrit dans le code Mercalliné et donc toutes ces interactions avec les autres flammes. Donc, on commence avec l'incompatible. D'accord. Donc, je rappelle la règle pour les incompatibles. La somme doit faire 26, donc là on prend 6 et on prend 20. Ok, donc là on a. Vous êtes fou là ce soir, là. Vous mettez des commentaires de 6 pieds de long. On a Lina qui dit pour les yeux, j'imagine que celui de gauche est en train de regarder celui de droite pour voir s'il dit le même mensonge que lui, pour savoir s'ils sont raccord dans ce qu'il raconte. Ok, donc on aurait deux têtes avec deux cerveaux qui essaient de se coordonner sur le bon mensonge à dire en fait. Ça c'est la théorie de Lina. Dominique, c'est un peu comme l'alcôve des psychopathes dans les films. Derrière la porte cachée, la maison en apparence impeccable, et la pièce où tout se trame et se révèle. D'accord, bah, psychopathe Dominique ce soir. FX, salut FX. Le masque est parmi un bestiaire d'animaux ou insectes. Évoluer en conscience. Effectivement, le fait qu'on ait que des insectes autour, c'est peut-être ainsi que le masque que l'on porte, notre personnalité, n'est qu'au bas de la chaîne de l'évolution et l'objectif est de trouver le chemin vers l'envers du décor. Alors moi je serais d'avis comme ça, de but en blanc, je serais pas forcément pour, j'ai pas l'impression que les animaux savent bluffer ou savent mentir. Pour moi, ça fait partie de l'intelligence humaine. Ok, je reprends sur mes deux incompatibles, du coup, 6 et 20, d'accord. Donc on a vraiment la flamme qui parle de mensonge, face à la flamme qui parle de vérité. On a le faux, d'accord, face au vrai. On a le fait de se cacher par rapport au fait de se montrer. Et effectivement, je reviens avec les yeux. Là, on a trois yeux, donc plusieurs façons de voir les choses. Alors que là, il y a un œil, d'accord. Donc, il y a une seule façon. Il n'y a qu'une vérité, en fait. Ici, il pourrait y avoir plusieurs vérités, finalement. Ici, il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'un œil. C'est comme ça que j'interprète, moi, ces deux incompatibles. Qu'en pensez-vous? Continuez à commenter. Je passe sur l'opposé, donc l'opposé de 6, c'est moins 6, d'accord. Donc moins 6, on est sur le rire ou le sourire. Il faut imaginer une tête de clown avec le nez rouge, les deux yeux
et le sourire. Ça, c'est moins 6. Donc, moins 6, c'est tout ce qui est fantaisie, rire, le talent. Et du coup, pour moi, comment j'interprète les deux opposés? D'un côté, on intériorise, d'accord? On garde pour soi, donc à l'intérieur de soi, notre vérité et on montre une autre image. Pour moi, le sourire, au contraire, c'est porter un masque pour s'exprimer. D'accord? On a quelque part trompé. Ici, on veut tromper son monde. Ici, on veut amuser son monde. Ok? Et pour moi, quand on parle de masque, ça revient au film de super-héros. Donc, on a le méchant qui se masque, lui, pour en tant que génie du mal. Et on a le super-héros, lui, qui porte un masque pour faire le bien. Et fixe, c'est pas tant le fait de mentir, mais de se mentir, se voiler la face par rapport à la vérité. Il y a mentir et se mentir. Alors, est-ce que du coup, ça me renvoie au miroir? Est-ce que du coup, on porterait pas le masque devant le miroir, et genre méthode Coué, et on essaie de se convaincre, on essaie de se mentir? Donc ça pourrait être ça aussi la symbolique du masque et du miroir. Et donc face à la vérité, d'accord? Ok, Coco qui nous dit pas une seule vérité, mais autant de vérité que d'angle de vue. Donc on part bien du 6, hein, Coco. 6 montré, 20 en regarder. 6 montré, 20 en regarder. D'après Seb. Alors il y a du... Si je comprends bien, Sébastien, pour toi, il y a de l'être et du paraître en fait. Me dis si je me trompe ou si c'est ça que tu comprends là-dessus. Là, on a vraiment l'œil à nu, d'accord? Il n'y a rien autour. Et ici, pour Coco, on a un sourcil qui est bien dessiné. Hein. Ça serait plutôt des signes. Alors, on va attaquer les boosts. Donc, les boosts, on a moins 19, 6 et moins 19. Donc, on en a parlé juste avant avec le live chez Vincent. Donc à 20h20, on parlait des intensificatrices. Donc, on a moins 19 et 6. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elles sont boost? Je rappelle que en fait, elles sont incompatible moins 6 et moins 19, et donc si j'en retourne une, ça forme des boosts. Donc là, dans ce sens là, on garde 6 et on prend moins 19. Donc, moins 19, c'est tout ce qui est l'illusion, tout ce qui est mirage, tout ce qui est se voir dans un monde fictif, d'accord? Et là, on est vraiment dans le boost, c'est à dire que quoi de mieux que de s'inventer un personnage dans un monde fictif en fait. D'accord? Et ça crédibilise un petit peu toute l'histoire que l'on veut raconter. Donc on se forge un monde fictif pour y interpréter un personnage. Ok, qu'est-ce que vous en pensez? Coco, l'œil central est beaucoup plus profond que les deux autres. Troisième œil, le plus complet, le plus caché. Donc est-ce que ça serait l'œil spirituel, comme dans les chakras? Qu'est-ce que vous en pensez les autres? Qu'est-ce que vous pensez de ces boosts-là? Ensuite, autre boost. On a moins 20 du coup. On avait 6 et 20 compatibles. Donc, je retourne 20, ça fait moins 20. Ok. Donc là, on a la loupe, le symbole
qui est à l'endroit pour reconnaître. Donc la loupe, hein, c'est tout ce qui va être surveillance, complotisme, la curiosité un petit peu mal placée. Donc pourquoi le masque il est boosté sous la loupe? Et ben quand on se focalise sur vous, d'accord, en mode espionnage, en mode caméra de surveillance, et ben vous cachez la vérité, vous cachez votre vraie personnalité, vous n'avez pas envie de vous montrer tel que vous êtes face à la caméra, surtout si vous êtes surveillé, s'il y a des mauvaises intentions derrière cette loupe, hein, moins 20 qui est choc. Donc on cache nos vraies intentions, donc soit on est devant des vidéosurveillances dans la rue et puis on fait croire qu'on est un citoyen modèle et puis soit on porte un masque carrément pour pas être reconnu au niveau reconnaissance faciale. Donc voilà en quoi ces deux flammes se boostent. Alors, le troisième œil, nous demande Véronique. Ben, on ne sait pas, peut-être. Peut-être c'est chacun son interprétation. Autant là, on a vraiment un œil qui est au-dessus de nous. Hein. Peut-être l'œil divin, l'œil spirituel, l'œil qui gère la connaissance, etc. Et là, on a un troisième œil sur le masque, mais lui qui est plutôt au même niveau que les autres. Hein. Et qui forme cette jonction en fait entre deux autres visages. Donc est-ce qu'il a un caractère spirituel? Est-ce que ça nous parle de l'esprit? Est-ce que ça nous parle de l'œil, un œil psychologique? Sachant qu'en plus en tant qu'incompatible, les couleurs sont inversées. Hein. On a une iris noire sur le masque avec un fond d'œil jaune, inversement pour l'œil. Sur la flamme numéro 20. Ok pour les boosts. Ensuite, si on continue dans la logique de mensonge, on a la répondante. Donc là, on doit atteindre le chiffre 13. Et donc, on a le dragon. Donc là, le masque et le dragon, donc en répondante. Et donc pourquoi le dragon répond au masque? Bah c'est facile, hein, quand on est face à des gens qui bluffent, qui racontent que des balivernes, pour utiliser l'expression, qui est toujours dans le mensonge, et ben, en face ça nous met hors de nous, d'accord? Et donc on a tendance à cracher du feu, à être dans la colère, et on a envie de brûler le masque qui est devant nous en fait. Un masque démoniaque. Ça, c'est le masque qui veut faire du mal. Mais forcément, quand on n'arrive pas à savoir en face de nous quelle est la vérité, d'accord, on est obligé de sortir de nos gonds, on est obligé d'être dans la colère. Donc ça, c'est la répondante, c'est la réaction un petit peu basique, un petit peu logique qu'il peut y avoir face au masque. Donc après la répondante, il y a la complémentaire. D'accord? Donc je retourne le dragon, donc on passe en moins 7. Et donc là, on a une complémentaire, on a un dragon charmant, donc on a un destrier. D'accord? Donc on a le chevalier blanc qui vient au secours du masque. D'accord? Et là, on est typiquement dans face au super vilain, on a le super héros. Quoi. Donc le destrier, moins 7, l'udine, donc c'est tout ce qui va être l'amitié, le réconfort, qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi, tout ce qui va être des paroles réconfortantes, d'accord, grâce au moins 7. Donc c'est des choses qui peuvent atténuer l'effet du 6, l'effet du masque. Et pouvoir aussi peut-être mettre en confiance les personnes qui portent un masque, d'accord, et le fait de les mettre en confiance grâce au moins 7 va leur permettre un jour ou l'autre de faire tomber le masque. Voilà un petit peu pour les interactions. Est-ce que vous avez d'autres choses à alimenter sur cette réflexion au niveau des interactions, au niveau de la place du masque dans le code Matt Caliné.
Donc on a un masque qui est réceptif, donc on veut se cacher du monde, d'accord? Et c'est même, je dirais même, c'est même une résultante. Hein. On est vraiment, on subit et c'est une résultante, donc c'est une conséquence de plusieurs choses qui fait qu'on est obligé de porter un masque. Et c'est ce qui fait aussi que le masque, il est très bien dans sa dimension logique, qui est le fruit. Linda, salut Linda. Le masque, c'est l'image, rôle dans la société et la réalité. Alors tu mets rôle dans la société, on est vraiment dimension logique, le fruit, donc on est vraiment dans la ligne du social. Et la réalité peut être tout autre, féroce. C'est exactement ça. Le masque subit, le masque est subi aussi, d'accord? Ça fait pas plaisir, c'est du choc, hein, ça fait pas plaisir de porter le masque, mais des fois on y est obligé. Donc on est dans la logique de mensonge, politique tourmente. Jouer un rôle, c'est contre nature, d'accord? On est obligé de se forcer, quelque part. Donc c'est fatigant, c'est pour ça que c'est choc aussi, c'est fatigant. Devoir toujours donner le change sans se faire démasquer. À partir du moment où on met un masque, le but c'est de ne pas se faire démasquer du coup. Et du coup, on est toujours dans cet objectif au quotidien qui fait que bah, ça en devient fatigant. On ne fait pas ça pour le plaisir, donc c'est vraiment choc. Le masque reste qu'une protection portable, si je peux dire. Donc c'est quelque chose qu'on travaille avec nous. On n'est pas comme dans la tour 8. Où on se réfugie dans notre tour et on se protège de l'extérieur grâce à ces remparts. Là, c'est une rempart mobile qu'on emmène partout avec nous, en fait, ce qui nous permet de nous balader dans la société avec cette protection, comme la carapace du tatou que l'on voit en haut à gauche de la flamme. Et du coup, il nous permet d'être quelqu'un d'autre, d'où les multifacettes du masque. Est-ce que vous avez d'autres choses à apporter avant qu'on passe au tirage, les amis? 21h50, on est pile dans les temps. Dites-moi si vous voulez qu'on revienne sur un symbole, sur une interaction. N'hésitez pas à commenter. Pendant ce temps-là, j'installe le plateau. Grâce à la magie du cinéma. Je vais mettre le téléphone au-dessus du monde. C'est bon pour vous. Allez, j'installe. Alors, je vous rappelle le principe du jeu, on va faire un tirage sur le masque que j'ai positionné sur la dimension de l'énergie et le but c'est de faire un profil pour nous aider à y voir un peu plus clair sur Ok, désolé, j'ai eu un petit bug, j'espère que vous êtes toujours là. Alors, est-ce que vous êtes encore avec moi, les amis? J'attends de voir si ça revient à mon écran. Alors. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que quelqu'un peut me faire un commentaire? Je vais commencer le tirage en essayant que tout le monde revienne. Ah, c'est bon, merci Stéphanie. Je sais pas pourquoi ça a bugué. Allez, c'est parti! Comme d'habitude, je commence avec le désir. Et on a la source. La source en désir.
Ensuite, excusez-moi, je remets les commentaires. Ouais, c'est bon. Ensuite, on va tirer l'intuition pour le masque. Quelle est son intuition? La montagne. Allez, n'hésitez pas à censer. Je le ferai à la fin. En besoin. Et comme à chaque fois, on tire l'incompatible. En plus, en besoin. Et je me demande si la dernière fois... Je reprenne mes notes, mais je me demande si la compatible n'était pas en besoin déjà. S'il y en a qui ont de la mémoire, je crois que le tigre. On avait dû tirer le miel en besoin également. Allez, complicité. Complicité, on a un phénix. On a la flamme 13. La guerre. Eh bien, on a Luko, on a le dragon. On a encore la logique du mensonge. On a toujours la logique qui ressort à chaque fois. C'est super. En harmonie, on a un arbre. Qu'est-ce que l'on a d'autre? En aventure, on a une épée. Et je vais finir par le fruit. On a le seul grain de folie du masque. On a l'idole folle. Disjoncté par Matka. Allez, c'est parti, les amis. On sent ce profil. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire quand on a une énergie de masque? Quel est le profil de ce masque? Alors déjà, on a un désir source, désir jaillissement. Quelque chose, prise d'initiative. On veut que ça jaillisse. Quelque part, est-ce que c'est le fait qu'on soit caché derrière le masque et finalement on aurait quand même envie que, bah, qu'il y ait quelque chose qui en sorte, quoi, qu'on sorte de ce masque? On ne peut pas, mais on voudrait. Ensuite, on a une intuition qui est dans le blocage, qui est dans l'impossibilité. Est-ce que ça veut dire que porter un masque pour lui, c'est quelque chose, c'est sans issue, quoi. À partir du moment où vous partez dans le mensonge, quelque part, vous pouvez pas en sortir. On a le besoin de vérité. Donc, on a toujours l'incompatible. Incompatible en besoin. Je vais essayer de reprendre les notes de la dernière fois. Hop. On va prendre le tirage du tigre. Ah non, le tigre avait son incompatible en désir. Là, c'est en besoin. Donc, besoin d'y voir clair, besoin de vérité. On a les efforts en guerre. Donc, le dragon, cracher du feu. Donc, de la colère. Donc là, on est sur le même profil. Donc, la répondante ne s'applique pas. Hein. Une répondante, ça s'applique entre deux profils distincts. Mais on est toujours dans cette logique de mensonge. Hein. Donc, est-ce que le masque serait utile pour des fois pour dire des choses qui plaisent pas aux autres? Sébastien qui nous dit rigidité versus désir de fluidité. Ouais, on a un masque rigide, on a un masque, on a une opposition exacte sur. Sur le fait qu'on a un visage sans expression, finalement, sans, mis à part l'expression qui est figée dans ce masque, il n'y a pas possibilité d'en changer. Alors que là, on a une dynamique qui est décrite par la source, par le flux que représente l'eau.
Donc on a quelque chose qui bouge. Et là, par contre, on a vraiment la montagne qui est immobile, qui ne bouge pas, qui est implantée au milieu de sa plaine là, et qui est insurmontable et qui bloque. Et qui est figé. Donc effectivement. Alors après, on a sur la ligne relationnelle, on a deux animaux fantastiques, hein, si je peux dire, le phénix et le dragon. Donc on a deux animaux ailés en plus, avec un symbole solaire et symbole du feu un petit peu, hein. Donc on a le feu à gauche et à droite. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors qu'en dessous, on a plutôt l'œil avec des larmes ou un œil qui pleure aussi, d'accord? Quelque chose qui coule, d'assez liquide. On a aussi ce phénomène-là dans la source. Mais là, au niveau relationnel, on a le feu. Donc d'un côté, on a le côté choc, hein, on a le côté complicité. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que il y a un avant et un après. Par contre, cette renaissance se développe sur le port d'un masque. Alors, quelque part, on met le feu à l'ancien monde, mais on met aussi le feu au nouveau monde. Donc, le masque, on voit bien que le masque n'est pas une solution en fait. Parce qu'on a l'impression de quitter, on porte un masque peut-être pour sortir d'une situation. Où on croit qu'on va s'en sortir et que le porter le masque est une solution, et finalement on retombe derrière sur le dragon, quoi. Stéphanie, pour le fruit, c'est sûr que le mensonge peut conduire à une sorte de leader pour celui qui ment. Alors qu'est-ce que nous dit l'idole folle en fruit? C'est ce qu'on disait aussi, hein, le masque, on cache derrière ses émotions. Le masque, c'est le fait de tromper, donc on peut tromper son monde et forcément, on porte ce masque d'un point de vue social également. Et quelque part, les mensonges, on veut que les gens nous suivent dans ce mensonge. Donc on a un côté idole folle. Où les gens nous regardent. Qu'est-ce que vous en pensez? Le masque semble être surtout choc dans la sphère relationnelle. Donc là, c'est choc, effectivement. On avance aussi de manière tranchée, hein, de manière décisive. On a encore cette. Au-dessus. Donc on est dans la même politique de tourment, d'accord? Et on a ce personnage épais à deux faces, d'accord? Un petit peu comme les deux faces du masque. Où là, par contre, les visages se sont séparés. Est-ce qu'avec l'épée, on n'aurait pas coupé le masque en deux? Et du coup, on aurait deux parties de visage. D'accord? On a toujours les fumées derrière le masque. Donc, est-ce que c'est les restes des cendres fumantes de tout ce qu'on a fait d'un point de vue relationnel? Et où on a les stigmates un petit peu qui sont là? On a toujours ces symboles de couronne retournée, d'accord, qui suivent l'idole et l'épée. Et on a harmonie, donc l'arbre en harmonie, donc symbole de croissance, de déployer son réseau, se baser sur des racines solides. Donc le fait de porter un masque fait qu'on peut être perçu, ça peut être perçu comme quelque chose très étonnant, ouais. Comment vous l'interprétez, vous, l'harmonie? Qu'est-ce que vous me dites, Anne, un ressenti de culpabilité, le masque porte un fardeau à l'intérieur. Alors, est-ce que du coup, le fait de porter un masque nous aide quelque part dans la sphère sociale à avancer, à
à s'ouvrir des réseaux, à se déployer? Est-ce que c'est le fait de pouvoir quelque part aussi porter un masque pour s'adapter dans le monde et pouvoir avancer un petit peu comme on le voudrait, se déployer, d'un côté avancer, avoir cette perception de l'art et aussi être vu un petit peu, donc le côté leader de l'idole folle. Dominique, on mange juste comme il faut pour avoir l'air d'une personne top épanouie et réaliser l'idole folle. Donc on paraîtrait top épanoui pour toi, c'est l'arbre, du coup. L'épanouissement, le fait d'être quelque chose dans durable aussi, la durabilité. D'accord? Je rappelle que l'arbre est la compatible de la rose, donc la rose qui elle est plutôt éphémère, qui peut se cueillir et faner. Autant là, on est face à un arbre. Alors, j'ai eu Vanina ce week-end. Elle n'est pas là, je passe le bonjour si elle regarde en live. Qui me disait que cet arbre-là, pour elle, et d'après son père qui s'y connaît, ce serait un olivier. Symbole de paix aussi. Avec la colombe qui s'en échappe. Donc, quelque part, on serait perçu comme quelqu'un qui recherche la paix. Alors qu'en fait, on vise la guerre, quoi. Enfin, on vise à tout brûler. Très intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur ce profil, d'après vous? Alors on a un masque aussi, j'en ai pas parlé au début, mais on a un masque qui est quand même enfermé. Il y a le symbole de l'enfermement comme il y avait avec l'ancêtre, vous savez. L'ancêtre, on disait qu'il était à l'intérieur de ses murs. J'essaie de retrouver mon ancêtre. Voilà, l'ancêtre qui est à l'intérieur de ses murs. Statique, donc qui ne veut pas bouger, qui ne veut pas sortir. Et donc quelqu'un d'enfermé. Comparé à l'enfant, son incompatible qui lui est dans les airs. Et là, on a un petit peu la même symbolique où on a l'incompatible, l'œil qui paraît. On a l'impression que l'œil est dans le ciel, hein, qui est dans l'air. Et on a ce masque qui finalement est enfermé et même accroché à un mur. Donc il y a cette idée d'enfermement. D'être comme quand on est enfermé dans son mensonge et qu'on ne peut plus en sortir. Et qu'est-ce qui se passerait si on essayait de sortir du masque, justement? Est-ce que c'est pas là où on devient dragon? Qu'est-ce qui fait le jour où le masque tombe? C'est là où le dragon arrive, quoi. Donc c'est quand toute cette tromperie, et c'est un petit peu le croisement entre les deux incompatibles. On a, comme vous le savez, on a le développement et le jaillissement. Et donc à la croisée, on se donne le dragon. Et quand le masque tombe et que la vérité apparaît, eh ben ça provoque peut-être de la colère. Quand on sait que finalement on a été trompé et menti pendant des années, voilà où arrive le dragon. G7, et si c'était justement la destruction du masque? Ouais, c'est le. Si on est porté vers le futur, donc c'est tous les efforts que l'on porte au niveau relationnel. Donc le but, c'est un jour de sortir. Je pense qu'un jour, on veut sortir du masque, mais du coup, c'est le dragon qui va être derrière le masque. Ou c'est le dragon qui veut brûler le masque. Là, on est sur le profil du masque, hein, donc c'est ce à quoi vise le masque. Ce à quoi vise le masque, et qu'est-ce que ça donne le masque? Ces réalisations, ça devient l'idole folle, ce qui est vraiment étonnant. Pour autant, il y a la folie derrière, il y a Matka, il y a le fait de se libérer.
Donc il y a quelque chose quand même qui est porteur de sens, qui est Matka. Si on prend Matka, c'est intéressant parce que Matka, elle a le visage d'une autre couleur que sa couleur de peau. Donc on pourrait se dire, tiens, elle est bronzée ou elle est maquillée ou est-ce qu'elle s'est pas libérée finalement d'un masque et que c'est les stigmates du masque qui une fois enlevé fait que voilà, à méditer. Mais là, il y a une histoire de libération. Et le fait de se libérer provoque l'idole folle. Donc est-ce que quelque part, c'est pas il n'y a pas un message porteur là-dessus où finalement on devient un exemple quand on arrive finalement à se libérer de son masque. Mais le masque peut viser la destruction. Ouais, un des masques célèbres. Alors, il y a plusieurs masques célèbres hein, chez les méchants. Si on parlait de pop culture tout à l'heure avec Vincent, vous imaginez bien Dark Vador derrière son masque. Hein, enfin, moi, quand j'étais petit et que je vois Dark Vador pour la première fois, on se dit pas que c'est un homme en fait. C'est une chose, une machine ou un monstre. Et pour ceux qui aiment bien aussi hein, des masques célèbres, c'est. Ah, j'ai perdu le nom du film avec De Funès là. Aidez-moi. C'est quoi le film? Avec Scotland Yard là. Obligé de me chercher, c'est la honte. Fantomas, voilà, je cherchais. Ah la vache. Un des masques célèbres, c'est Fantomas. Et Fantomas, on l'entend rire derrière et l'élève ne bouge pas, quoi. Il y a quelque chose de démoniaque. Merci Stéphanie. Il est tard, c'est pour ça, 22h10. Donc oui, il y a des célèbres méchants qui portent un masque. On ne voit pas leur visage. On ne devine pas leurs émotions d'ailleurs. Et derrière, ils visent la destruction, la prise de pouvoir. On est dans la politique de pouvoir avec le dragon. Donc finalement, 6 et 7, c'est quelque chose qui nous parle bien. C'est quelque chose d'assez simple à traduire. Est-ce que ça va être la fin du live, les amis? Est-ce que vous avez d'autres choses à apporter dans la réflexion du masque? Donc je vous laisse apporter les derniers commentaires. D'ici là, je vous rappelle, donc live tous les mercredis soirs. Donc bah, la semaine prochaine, on restera dans la logique du mensonge et on parlera du dragon. N'oubliez pas non plus que les lives, je les poste après sur YouTube. D'accord? Je les télécharge et je les remets en version longue sur YouTube. Que viendra ensuite les articles sur mon blog Les 9 Dimensions. Donc j'alimente en plus de toutes les notes que j'ai écrites et prises pour préparer ces lives, je me repasse aussi le live pour prendre en compte toutes vos réflexions et ça me permet d'alimenter mes articles. Vous avez pu voir cette semaine, j'ai posté le premier article sur l'ancêtre. Donc voilà, j'ai 6 semaines de décalage, mais ça devrait aller un peu plus vite maintenant que j'ai le format. J'espère que ça va avancer un peu plus vite sur le blog. Que dire d'autre? Bah que voilà, que si vous êtes intéressé aussi, je donne des cours maintenant, donc si vous êtes intéressé, contactez-moi et on peut approfondir. Si vous voulez tout et rien sur le code et sur le jeu, n'hésitez pas. Allez, dernier commentaire. Anne Lacombe qui nous dit le masque, une colère rentrée qui vise à s'extérioriser. Donc G7, pardon. Donc voilà. Donc le masque, il y a un avant et un après le masque. Dernier point, au niveau religieux, le masque peut être vu comme un fétiche. En F-11, c'est plus spirituel. Donc il y a un aspect spirituel. Le troisième œil, hey, on n'en a pas parlé, mais l'idole folle a 3 yeux, tout comme le masque. Ça veut dire que peut-être que les leaders que l'on suit
Forcément, ils sont obligés de porter un costume qui n'est pas forcément le leur, mais pour porter leurs actions au plus haut au niveau social, ils sont obligés de porter un masque. Pas mal, Sébastien. Allez, je vous laisse, les amis. Il est bientôt 22h15. Ça fait un peu plus d'une heure qu'on discute ensemble. Donc, n'hésitez pas, la semaine prochaine, le dragon, mercredi, 21h, comme d'habitude. D'ici là, portez-vous bien. Faites bien vos courses de Noël. Portez bien le masque, surtout. Ok, tant qu'on n'est pas déconfiné. Et bah, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne semaine. Allez, ciao!